Cette vidéo vous est présentée par la boutique UniversLudo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Salut gamer, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, on regarde ensemble le jeu 5 Minute Dungeon, un jeu qui avait tout d'abord été édité par Wiggle 3D avec une campagne Kickstarter qui a quand même ramassé 388 000 $, donc un gros succès pour ce petit jeu. Et par la suite, la compagnie Spin Master a fait l'édition pour la version magasin qui a cette forme bizarre et non conventionnelle. C'est un jeu qui nous vient du concepteur Connor Reed. Ça se joue de 2 à 5 joueurs et les parties vont durer de 5 à 30 minutes. Le but du jeu va être de traverser un donjon et d'affronter le boss et le battre évidemment. Donc on va avoir plusieurs étages de donjon et si on passe au travers de tous les étages, on va remporter la partie. C'est un jeu qui est coopératif en temps réel, donc on va avoir une application officielle aussi pour nous chronométrer pendant qu'on joue. Et on va avoir une gestion de main de cartes, on va aussi avoir des petits pouvoirs spéciaux selon le personnage qu'on va incarner dans le donjon. Alors, 5 Minute Dungeon, je vous montre comment ça joue, puis ensuite je vous dis ce que j'en pense. On va aller pour un placement à 3 joueurs. Premièrement, on va choisir nos personnages. Donc, on a le choix entre 10 personnages. Donc, les tuiles de personnages sont recto-verso. Alors, on va choisir pour cet exemple le magicien qui sera accompagné du paladin et du voleur dans cette grande aventure dans le donjon. Chacune des classes va ensuite prendre le paquet de cartes de sa couleur et le placer à l'endroit indiqué sur son plateau. Donc on a les cartes mauves pour le voleur, les cartes bleues pour le magicien et les cartes jaunes pour notre ami le paladin. Et les autres cartes, on peut les enlever et les retirer du jeu. Selon le nombre de joueurs indiqué dans le tableau ici, on va piocher un certain nombre de cartes de notre pioche, donc une partie à 3 joueurs. Chacun des joueurs va piocher 4 cartes de sa pioche pour former sa main de départ. Par la suite, on va préparer le premier donjon qu'on va devoir affronter. Alors, on va prendre les différentes tuiles de boss et on va trouver le boss numéro 1 qui est le bébé barbare qu'on va placer sur la table. Les autres tuiles de boss seront mises de côté pour l'instant. On va ensuite regarder sur la tuile du bébé barbare le nombre indiqué ici qui va nous dire le nombre de cartes portes dans le premier donjon. Donc ici, on en a besoin de 20. Alors, on va compter 20 cartes de portes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7, 8, 9, 20. Et on va ajouter des cartes défi. On va en ajouter 2 par joueur. Donc ici, on a une partie à 3 joueurs. Donc, on va ajouter 6 cartes défi dans notre paquet de cartes donjon. Et on va ensuite mélanger tout ça. Donc, ça va être le premier donjon qu'on va devoir affronter. Et on va le placer sur le plateau du bébé barbare. 5 Minute Dungeon est un jeu en temps réel. Donc, il n'y a pas de tour de jeu. Donc, les joueurs vont jouer en temps réel simultanément leurs cartes pour essayer de vaincre les différentes cartes portes et de passer au travers du donjon pour se rendre jusqu'au boss et l'affronter avec les symboles qui sont indiqués sur la tuile du plateau du bébé barbare. Ils auront 5 minutes pour le faire cette tâche. Et on peut se chronométrer avec l'application officielle de 5 Minute Dungeon qu'on peut télécharger sur notre téléphone ou sur une tablette. Et quand on est prêt à commencer, on n'a qu'à appuyer sur le bouton « Démarrer ». Et à ce moment-là, on va retourner la première carte « Porte » de notre donjon. Are you ready for an epic adventure? Get it? Epic? 3, 2, 1, go! Et c'est parti! Il existe 3 types de cartes portes que les joueurs pourront rencontrer dans le donjon. Premièrement, on a évidemment les cartes monstres. Deuxièmement, les cartes personnes. Et finalement, les cartes d'obstacles. Pour résoudre ces épreuves, les aventuriers auront le choix de 3 options. La première option sera pour les joueurs de jouer collectivement des cartes ressources au symbole correspondant dans le bas des cartes portes pour les vaincre. On a tout d'abord les cartes d'épée, les cartes de bouclier, les cartes de parchemin, les cartes de flèche et la petite carte avec le bonhomme qui court. Alors, si les joueurs jouaient collectivement un bonhomme qui court, un bouclier
et une flèche, il pourrait vaincre la carte de Groznak le Grand et l'enlever et passer à la prochaine porte du donjon. Certaines cartes de symboles de ressources auront deux symboles sur la même carte, donc on pourrait l'utiliser pour jouer un bouclier ou deux boucliers, ce qui est demandé sur une épreuve, et certaines cartes seront à double symbole. À ce moment-là, la carte va compter pour les deux symboles sur la même épreuve. Certaines cartes d'action vont aussi donner des symboles de ressources. Par exemple, on a les cartes qui nous permettent d'avoir un Joker, donc pour compter pour n'importe quel des 5 symboles de ressources. Et on a la carte la bombe magique qui va donner un symbole de chaque sorte sur une épreuve. Deuxième option pour vaincre des cartes portes, on peut jouer des cartes d'action qui vont les vaincre immédiatement. Donc on pourrait jouer une carte de backstab pour vaincre n'importe quelle personne. On pourrait jouer un haut saut pour vaincre n'importe quelle carte d'obstacle. Je pourrais jouer la carte smite pour vaincre n'importe quel monstre. Donc on a des cartes d'action associées à chacun des types de cartes portes pour les vaincre automatiquement. Certains pouvoirs de personnages nous permettent aussi de vaincre une carte porte immédiatement en défonçant 3 cartes. Donc on peut placer les cartes dans notre défausse à la droite de notre plateau. Le gladiateur peut défausser 3 cartes pour vaincre une carte de personne. Le ninja peut défausser 3 cartes pour vaincre une carte d'obstacle. Et le paladin peut défausser 3 cartes pour vaincre une carte monstre. Il existe deux types de cartes défis que les joueurs peuvent rencontrer dans le donjon. Premièrement, on a les cartes de mini-boss. Donc ici, on a le roi des rats qui demande 6 symboles pour être vaincu, ce qui est beaucoup plus qu'un monstre ordinaire. Et comme il est dans la catégorie mini-boss, on ne peut pas utiliser des cartes d'action pour le vaincre d'un coup, comme on le fait avec les obstacles, les personnes et les monstres. Deuxièmement, on peut rencontrer des cartes d'événement. Lorsqu'on va la retourner, les joueurs vont appliquer l'effet indiqué sur la carte d'événement. Et celle-ci dit aux joueurs de défausser toutes les cartes qu'ils ont en main. Ils vont donc les placer dans leur défausse à la droite de leur plateau personnel. On peut jouer des cartes d'action pour annuler l'effet d'un événement. Alors, pour vaincre cette première 4 portes, les joueurs devront jouer collectivement 2 bonhommes qui courent et un parchemin. Alors, le magicien pourrait fournir un bonhomme qui court, un parchemin. Et le voleur fournir l'autre bonhomme qui court pour vaincre la carte porte. On retire les cartes du jeu et on tourne à la prochaine porte qui demande 3 symboles de bonhomme qui court. Les joueurs qui ont joué des cartes vont immédiatement piocher des nouvelles cartes pour se remonter à une main de 4 cartes. Donc ici, on aurait 3 bonhommes qui courent. Donc le voleur peut jouer sa carte avec 2 symboles et une autre carte avec 1 symbole pour vaincre l'obstacle. Le voleur va piocher 2 nouvelles cartes et par la suite, on retourne la prochaine carte porte. Oh, le requin avec les jambes, on a besoin de 2 flèches. Donc ici, on a seulement une flèche chez le magicien et on n'a pas d'autres flèches chez les autres personnages. Alors on pourrait, par exemple, jouer la boule de feu pour vaincre automatiquement un monstre et le retirer du jeu. Le magicien piochera une carte et on continue le donjon. Et on doit essayer de passer au travers de toutes les cartes portes du donjon avant d'arriver au boss qui est le bébé barbare. Pour le vaincre, on devra jouer collectivement 2 épées, 2 flèches et 3 bonhommes qui courent. Si on arrive à faire cela dans les temps, on va remporter le premier donjon. Si un joueur n'a plus de cartes en main et qu'il n'a plus de cartes dans sa pioche, il est considéré comme assommé, il ne peut plus jouer du reste du donjon. Par contre, un joueur pourrait le soigner, donc en jouant des cartes d'action, comme une potion ici de guérison. Donc si le paladin joue une potion de guérison, il pourrait permettre au magicien de piocher des cartes de sa défausse et ainsi les prendre en main et revenir dans la partie pour pouvoir aider les autres héros à continuer l'aventure. Si tous les héros n'ont plus de cartes, donc que toute leur pioche est épuisée, qu'ils n'ont plus de cartes en main, à ce moment-là, ils perdront la partie également. Si les héros rencontrent un obstacle et qu'ils n'ont plus les cartes pour pouvoir faire l'obstacle et qu'ils n'ont plus aucun moyen d'aller piocher des cartes dans leur paquet, qu'ils sont en fait bloqués, ils vont aussi perdre automatiquement la partie. Il reste pas beaucoup de temps. Et c'est pour ça que c'est pratique d'avoir des habiletés comme le voleur qui peuvent permettre de piocher des cartes pour empêcher qu'on soit bloqué. Évidemment, si on arrive à... il est vraiment déçu de nous. Donc, si on arrive, évidemment que le temps s'écoule, on perd aussi automatiquement la partie.
Si les joueurs l'emportent dans le premier donjon contre le bébé barbare, on va préparer ici le deuxième donjon avec le Grim Reaper comme boss, avec un donjon de 25 cartes. Si on le réussit par la suite, on va passer avec le donjon de la Gorgone, qui a 30 cartes. Le quatrième donjon avec le dragon, qui a 35 cartes. Et finalement, le dernier donjon avec toutes les cartes portes, donc les 40 cartes qu'il y a dans le jeu contre le maître du donjon. Et si on bat le maître du donjon, on va avoir remporté la partie. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à 5 Minute Dungeon. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de 5 Minute Dungeon? Premièrement, vous voyez que les points positifs, j'aime beaucoup le visuel qu'ils ont pris dans le jeu, donc ça me rappelle vraiment mes vieilles époques à jouer à Donjons Dragons. Les différents personnages aussi sur les tuiles, les plateaux sont très bien illustrés, très beaux. Du matériel de qualité, donc les cartes aussi sont très épaisses, de bonne qualité, les plateaux, donc tout est très bien dans cette belle petite production. L'insert aussi dans la boîte est très bien fait pour placer les différents paquets de cartes, pour que rien soit mélangé, donc ça vraiment bien, on n'a pas besoin de rien faire comme système de séparation dans ce jeu-là. C'est un jeu qui se place très rapidement, donc c'est pas long, on sort, on place les cartes, on compte combien de cartes dans notre donjon, paf, on est parti, on part l'application et c'est lancé. Donc on est vite dans l'action. C'est un jeu qui est très simple à expliquer, pas beaucoup de règlements. C'est sûr que la première fois, c'est de connaître un petit peu bon, les cartes d'action, parce que pendant qu'on est dans le jeu avec le chronomètre, on n'a peut-être pas nécessairement trop le temps de lire tout ça puis de connaître nos cartes. Donc peut-être avant la partie, de vérifier notre paquet de cartes, de dire « Ok, mes cartes d'action, okay, j'ai une carte d'action qui fait ça, une carte d'action qui est bonne pour tuer tel genre de monstre. » Fait comme ça, quand tu vas arriver dans la partie puis que tu vas les piocher, ben ça va aller un petit peu plus vite parce qu'évidemment, le temps est important. J'aime beaucoup les jeux coopératifs qui ont du temps. Donc ça met du stress, ça met une petite pression sur les joueurs. Puis ça empêche aussi qu'il y ait un joueur alpha, que quelqu'un dise à tout le monde quoi faire. Parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas le temps de jouer beaucoup. Donc des fois, on joue même des cartes en même temps. Donc si on joue des cartes en même temps, des mêmes symboles, on ne peut pas les reprendre où ils ont été joués. Donc il faut qu'on communique rapidement avec notre équipe, avec les autres joueurs, pour pouvoir arriver à affronter toutes les cartes portes qu'il y a dans le donjon. J'aime que les compagnies prennent le temps de faire des petites applications dans des jeux comme ça, avec des petits chronomètres, une petite musique, une petite narration. Ça nous met dans l'ambiance, puis la musique, justement, on dirait qu'on est plus dedans quand on joue d'avoir cette petite musique de fond-là. Donc c'est très bien, l'application est gratuite, donc on peut facilement l'installer aussi là, sur n'importe quel téléphone ou tablette. Pour les côtés négatifs, je trouve sa grande faiblesse, c'est à deux joueurs. Donc à deux joueurs, vous allez devoir choisir une classe, vous allez devoir mélanger deux paquets ensemble. Donc vous avez un énorme paquet. Et il y a beaucoup plus de chances qu'on reste bloqué à deux joueurs parce qu'on a moins de cartes en jeu à ce moment-là. Donc on va souvent mourir parce qu'on est bloqué et on est obligé de prendre des personnages là, qui doivent piocher des cartes parce qu'évidemment, comme on a plus de chances de rester bloqué à deux, ben faut prendre ces personnages-là. Sinon, on va rester bloqué peut-être après 2, 3, 4 tours. Donc on peut mourir excessivement vite. Donc c'est beaucoup moins le fun. Je pense que son sweet spot va être à 3 joueurs. Donc à 3 joueurs, j'ai trouvé que c'est très efficace. On a une belle synergie d'équipe et on a aussi certains rôles qui font piocher des cartes à tous les autres joueurs ou des cartes d'action qui peuvent faire piocher des cartes aux autres joueurs qui sont avec nous. Donc ces cartes-là deviennent beaucoup plus efficaces à partir de 3. Donc à 2 joueurs, là, l'expérience est beaucoup moins bonne à mon avis. Son autre côté négatif, c'est qu'il est seulement en anglais. Là, évidemment, les cartes d'action ont un peu de texte dessus. C'est sûr que c'est pas rien de très compliqué, mais si vous êtes vraiment pas à l'aise en anglais, c'est pas le temps pour vous de vous creuser la tête pendant qu'il y a un chronomètre de 5 minutes qui défile. C'est sûr qu'on peut toujours peser sur pause, puis bon, se faire expliquer une carte, mais on dirait que ça casse un petit peu l'ambiance du jeu. Et j'ai pas entendu là, de plan de compagnie qui voulait traduire ce jeu-là en français. Donc, assurez-vous là, de comprendre bien les cartes avant de commencer à ce moment-là. Il est un petit peu dur à trouver aussi en magasin. C'est pas tous les magasins qui ont accès à ce jeu-là, qui en ont commandé nécessairement. Donc, fouillez bien dans vos boutiques spécialisées si jamais vous voulez trouver 5 Minute Dungeon. Finalement, je vais lui donner une note de B+, un très bon jeu. Très bon jeu coopératif en temps réel, rapide. Moi, j'appelle ça un petit filler pour gamer. Donc, c'est vraiment une thématique. Donjon Dragon, donc ça vient chercher les gens un peu gamers avec un jeu simple, un jeu rapide, vraiment plaisant. Donc j'ai vraiment adoré l'expérience de 5 Minute Dungeon. Généralement quand on joue des parties, on fait un, deux étages, on se fait battre, on recommence, on veut réessayer tout de suite, donc on a le goût de jouer plusieurs parties d'affilée. Mais ça demande quand même beaucoup de concentration, donc généralement on va essayer de commencer la soirée avec ça pendant qu'on est concentré et en forme.
À la fin de la soirée, c'est peut-être moins recommandé. Donc, c'est un filler, vraiment, là, qu'on a besoin d'être tout là au complet pour pouvoir jouer une partie. Alors, essayez de vous procurer ça ou d'aller essayer ça si jamais vous n'avez pas l'occasion. Là, c'est vraiment le fun comme jeu, 5 Minute Dungeon. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire avec notre petit bonhomme ici en bas de l'écran. Vous pouvez cliquer dessus. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram à Professeur Board Game. Venez nous visiter sur notre site passionboardgames.com pour des nouvelles d'actualité sur les jeux de société. Vous pouvez nous supporter sur notre page Patreon. Et moi, je vais vous souhaiter une excellente fin de journée et continuez le game.